comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo All Horizon Créatif. Donc pour toutes celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'avais pu craquer sur des papiers que Ninon a rentrés. Oui, je sais, encore des papiers. Marie, que tu as une tonne de papiers, mais il y en a tellement des beaux. Mais là, autant j'essaye un maximum de me restreindre parce que il faut que j'utilise ceux que j'ai déjà. Autant ceux-là, j'étais obligée de craquer. Franchement, j'ai été obligée de craquer. Et encore une fois, ça va être une marque que je n'ai encore jamais scrappée. Et vous allez voir, j'avais déjà vu sur Instagram un extrait de page d'un album photo qu'a réalisé Béatrice Scrap, juste du scrap. J'ai très hâte de voir l'album photo. Je ne sais pas si elle a déjà sorti ou pas sa vidéo. Je ne suis pas allée voir sur sa chaîne. Je n'ai pas le temps en ce moment d'aller sur les chaînes. Mais j'avais déjà craqué. Alors, quand j'ai vu les papiers, j'ai très hâte de le scraper. Je me demande même si ce ne sera pas le prochain. Je ne sais pas. J'hésite vraiment beaucoup entre plein de papiers. Peut-être même vous mettre à choisir, pourquoi pas. Bref, j'ai ma facture juste à côté de moi, je me suis mis sur le site Horizon Créatif, comme ça je vais pouvoir vous donner directement les prix sans avoir à manipuler au niveau de la montage vidéo, vous aurez directement les prix de vive voix, ça va aller plus vite. Alors, on ouvre, comme toujours, super bien emballé. Oui, vous voyez, j'ai recraqué donc sur des feutres spectrum noir. Donc là, en temps normal, j'avais pris ceux-là. Donc, hop là, les illustrateurs. Sauf que je les ai quasiment tous par rapport à ceux que Ninon a. Donc là, je suis partie sur la gamme classique. Donc voilà. Alors, j'ai pris celui-ci. Donc, on a la couleur VB1, VB3, DP1, DP3, AP1 pardon, et AP3. Je crois que alors la DP3 je l'ai et la DP1 aussi. Non, c'est de la G, mais les autres je ne les ai pas, donc c'est pas grave. Je les ai, ils sont à la maison. Si jamais des personnes ont envie de faire des échanges, pourquoi pas, sinon ce ne sera pas perdu. Donc voilà pour cela. Ensuite, donc c'est 9,95€ le paquet de feutres, de 6 feutres. Ici, j'ai pris le PP6. Alors, attendez, je regarde en même temps que je n'ai pas. J'avais le 245, impeccable. J'ai le BO03 que je n'avais pas non plus. Le GY3 que je n'ai pas non plus. Le CG3, c'est pareil, je ne l'ai pas. Le AB3 non plus. Et le LV3. Encore moins. Donc impeccable sur ce paquet là, je n'ai aucune couleur. Bien évidemment, au fur et à mesure, vu ce que j'ai, il y en a que j'aurai en double. Hein, mais bon, c'est pas grave, je vais vraiment avoir une bonne gamme de feutres. Bon, la différence entre les classiques et les illustrateurs, c'est le fait que là vous avez une mine comme ça et une comme ça. Et ici en fait vous avez celle que je préfère, la pinceau. Donc voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite, petit mot de ma Ninon. Merci beaucoup ma belle. Bisous Ninon. Avec hop là, un Shipbird. Nickel, trop joli. Voilà. Je ne l'ai pas en plus celui-là. Et on va rentrer avec la collection à contre-courant de Lorelei Design. Hop là, je retire tout. Donc ça, c'est pour faire un album photo. Évidemment, une petite serviette, hein, comme toujours. Hop là. Donc, la collection de Lorelei Design se... fait, je me disais mince, il me manque des trucs, mais non, c'est parce que nous on les a rangés comme ça. Alors, il n'y a qu'une seule chose que j'ai pas pris de la collection, c'est le deuxième tampon, parce que voilà, après ça faisait un sacré budget. Alors ici nous avons les étiquettes mots. Donc les mots, je les ai payés 1,70€. Alors là, les trois planches, parce qu'il y a trois planches, c'est 1,70€ la planche. Donc ici, il y a des mots. Donc bien évidemment, ce sera un album photo qui partira à la boutique, en vente sur la boutique. Hein. Hop là. Celui-ci. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et celui-ci.
Ensuite, du coup, comme je vous disais, j'ai pris un des deux tampons. Alors, celui-ci me plaisait beaucoup parce que j'aime bien les photos. Donc, je pourrais mettre là, alors, sur les espaces photos. Et alors, la proue, là. Oui, avec le M. J'adore. La proue, pourquoi je dis la proue? La roue. Je sais pas pourquoi. Marie, peut-être parce que je suis debout depuis 6h ce matin, peut-être. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, surtout celui-ci, m'a juste plu parce que bah, Marie aime. Voilà, j'ai juste adoré. Alors, le set de tampons, c'est 1,35€. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, j'ai pris deux lots de papier. Donc, un lot de papier est à 7,70€. Hop là. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Franchement, je trouve juste trop beau pour faire un mini, parce que ce sera pas un gros avec celui-ci. Hein. Mais, hop là. Donc là, on voit à peu près les papiers. Et on va les regarder ensemble. Donc, hop là, ici, des tags. De quoi faire des petites cartes. J'adore. Avec ce côté-ci. J'ai oublié de vous montrer le premier côté. Ensuite, nous avons celui-ci. Et en plus, on a des mots. Vous voyez ? Nouvelle aventure au bord de la mer. Ici, c'est admirer ce magnifique paysage. Oui, c'est pas un paysage, là. Celui-ci, j'adore. Et je le trouve magnifique. Ça, c'est typique marin. Hein. Comme un enfant au bord de l'eau. Celui-là aussi, il est trop beau. Franchement, respirer le bon air de la mer. Celui-là, il est beau aussi. Franchement, comment ne pas craquer sur ces papiers? Dites-moi. Dites-moi. De longues promenades au bord de l'eau. Celui-ci aussi, il est beau. Se poser, se ressourcer tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers, franchement. Donc j'en ai pris deux. Je demandais à Ninon justement quelle couleur de cardstock j'aurais pu mettre. Alors elle m'a dit celui-ci, donc c'est celui que j'ai pris. C'est la couleur Poppy, donc c'est du rouge. Après, franchement, c'est... Alors le Poppy va très bien avec. Mais moi... Quand j'ai vu le papier, alors c'est surtout, vous voyez, avec celui-ci, j'avais pensé à celui-ci que j'ai déjà et à voir. Je pense que au lieu d'utiliser le Poppy, je prendrais plutôt celui-ci, le Kiss, à voir. Le Kiss me plaît beaucoup, me plaît plus que le Poppy à la rigueur. Mais c'est pas grave, le Poppy n'est pas perdu et voilà. Ouais. Je pense que je prendrais plus le Kiss. Bien évidemment, je vous ferai cet album photo en tuto. Ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est du format, je pense que je partirai plutôt sur un petit portfolio. Puisqu'on ne peut pas mettre non plus beaucoup de photos. Sinon, ça va être un album photo. Il faudrait prendre plus de papier. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge au niveau des papiers. Parce que bon, c'est pas donné non plus. Il n'y en a que 6 dedans. Donc voilà. Mais j'ai déjà ma petite idée. Je partirai bien sur un petit folio sympathique. À voir, à travailler. Et ouais. Mais franchement, un coup de cœur pour ce papier. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir dit aussi en story que vous avez déjà craqué aussi sur ce papier. Donc, j'ai très hâte de voir ce que vous allez en faire. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, ce petit haul vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous ai pas dit, donc, le cardstock était au prix de 7,50€. Donc, voilà. Normalement, je vous ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. The last time I break down.